Hey, salut tout le monde, ça c'est Réponse. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'émission de Caio Perico sur GTA 5 Online. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, ben, le pouce vers le haut, s'il vous plaît, et de faire partager si possible. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite aller sur mission concernée. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai déjà accompli pas mal. Ici, point de sortie. Ok, bon. C'est la mission préliminaire qui m'intéresse. Hein, véhicule de l'aéroport. Donc, là, j'en ai déjà pris un. Maintenant, il faut que je prenne le sous-marin. Allez, c'est parti. On va chercher le sous-marin. Allez, il faut rejoindre le site de test Meriwether. Ok. Ah, me voilà sur place. Il y a un hélico qui m'attend. Il y a plusieurs attaques qui m'attendent. Fouiller les profondeurs à la recherche du sous-marin. Ok, bon. Par contre, on m'a pas fourni ce qu'il faut. Hein, pour. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre, mais en tout cas, on m'a pas fourni sur place des moyens pour plonger. Donc, je vais essayer de m'en sortir par moi-même et j'espère en tout cas que je peux avec mes tenues que j'ai déjà. Hop, alors va plonger. Non, c'est pas celle-là. C'était pas celle-là, non. Voilà, plonger. Comment je vais faire maintenant pour remonter à... Ah oui, il y a le bateau. Il y a le bateau sur place. Ok. Au plus profond de la mer. C'est sombre, hein. C'est sombre. Pas grand chose. Ah, ça commence à s'éclaircir. En même temps, il fait nuit, donc on voit pas grand chose hein, quand il fait nuit. Donc, il faut que je fouille sur le point d'interrogation, sur le point jaune. Je sais pas si je plongeais dans de bon endroit, mais. Oh, c'est bon, je suis sur place, il y a le sous-marin. Ok, est-ce qu'il y a des ennemis? Ah, il y a l'entrée par là-bas. Je dois aller vers l'entrée. Alors, l'entrée, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Ben, j'imagine que oui. Hein. Il faut que je sois armé aussi, je pense. Sûrement. Voilà, je suis rentré. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle quelque chose. Fouiller le sous-marin pour trouver le brouilleur sonore. Ok. Il y a la localisation. Hop, sur le pont. Là, je suis sur place. En tout cas, il y a des ennemis. Toi, tu crois que je t'avais pas vu? Il a rien compris lui. Ça m'indique pas l'endroit hein. Là il y a le point ok pour remonter mais il n'y a pas de point en fait il faut que j'aille
il faut que j'aille comme ça, quoi. Donc ici, il y a le gilet pare-balles, ok, ça c'est bon. Ensuite, pour redescendre. Ah. Ah, ça fait mal, hein. Ah, je me souviens que j'ai pas acheté les encas encore. Ça se recharge pas automatiquement les encas. Je dois aller doucement. Et bon, je vais reprendre. Je vais reprendre la protection. Protection. Hop, c'est bon. Ça va tout doucement. Ça sert à rien d'avancer plus vite, ça sent que je suis tout seul. Alors, il y a le point blanc. Faut pas que je me fasse attaquer en surprise parce que. Les mecs ils sont soutenus. Oh, je voulais pas te taper toi. Ah mais je pense qu'il m'attaquait. Hein. Je pense qu'il m'avait. Il voulait m'attaquer le cuisinier là. Bon, il faut remonter, je pense. Mais avant, je vais voir d'abord ce qui se passe par là. Ah, oh, non, t'es où? Oh, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, mes amis. Je suis à un fil de la vie. Allez, je reprends protection. Inventaire, protection. C'est bon. Bon, les protections, j'ai toujours pas acheté d'autres. Hein. J'ai bien fait de passer par là. Je pense que le brouilleur il est juste devant. C'est bon, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le brouilleur. Vous avez récupéré le brouilleur, sonore. Okay. Ah, du coup, j'ai plus d'armes. Oh, ok. Il y a une petite vie par là, j'ai bien fait de l'ouvrir. Donc du coup, est-ce que je dois reprendre mon chemin de départ? Évidemment, je sais pas. Il y a moyen de remonter par là. Ah, c'est la cantine. C'est la cantine. Est-ce que ça sert à quelque chose de venir par là? Vu que je connais pas, je vais fouiller un petit peu partout. C'est pareil que le mien, hein, de toute façon. Oh! 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 Surprise, surprise! Surprise, surprise! Heureusement qu'ils sont pas très agressifs. Hein. Sinon, ça fait longtemps que je serais mort. On va dire que c'est plutôt mission facile. Là-haut. C'est bon. Ici, salle de musculation, est-ce qu'il y a une surprise encore? Non, il n'y a personne. Ok. Oui, je remonte tout doucement. En mode furtif, mais... ça va, ça va. Il n'y a pas beaucoup de gens. Surprise! 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 Mais à chaque fois, il me touche. Hein. À chaque fois, il arrive à me toucher. Donc ce serait bien d'avoir un moyen de d'avoir la technique sans être touché. Surtout quand on est en furtif ou un truc comme ça. Bon, allez, je prends un peu mon temps là. Hein. Donc ici, le point jaune. Donc là, le point blanc. Il y a un petit point blanc ici parce que je dois monter par là. Non, il n'y a pas d'escalier là. Là derrière. Non plus. Donc du coup, il faut que je revienne derrière. Je vais courir un petit peu. Ah oui. Serveur. Bon, ils ont tout prévu, hein, mais j'ai déjà tout. Donc, ah, il y a quelque chose là. C'était quoi ? Utiliser le recycleur. Ah, il n'y a que maintenant que il peut me donner ça. Et que, bah, si j'avais pas, si je suis pas passé par là, je pense que
j'aurais été pas fait. Enfin, j'aurais pas vu quoi. Hop, le recycleur c'est fait. Ici. Donc ici. Hop, il faut que j'aille sur le point jaune. Du coup, comment je vais faire pour m'en sortir sans mourir, bien sûr. Il y a des bateaux au-dessus de moi. Des ennemis. Du coup, comment je vais faire? Est-ce que... Ah, je vais aller à mon hélico de terre directement. Et partir sans revenir. Allez, c'est parti. Les bateaux, ils m'attendent. Wow, ça va être chaud, ça va être chaud. Il faut que j'avance plus rapidement. Si les bateaux, ils arrivent plus à me suivre, peut-être que j'ai de la chance. J'aurai de la chance d'arriver sain et sauf. Oh, je suis presque arrivé sur mon sous-marin de Kosaka. C'est vrai que cette mission n'est pas... enfin, jusqu'à présent, les missions ne sont pas très difficiles. Hein. Il manque juste un peu d'attention des fois pour moi, de ma part. Mais sinon, pour le joueur solo, pour l'instant, je m'en sors pas mal. Et c'est vraiment bien parce que c'est pas des missions qui demandent beaucoup d'efforts. Et voilà, mission préliminaire terminée. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. J'espère aussi que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bien sûr vers le haut ou vers le bas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, récompensez-moi avec le pouce plus les commentaires s'il vous plaît. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, en tout cas, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, c'est 100% gratuit. Et bien sûr, hein, si tu veux revoir mes prochaines vidéos, bah, je t'invite aussi d'appuyer sur la cloche. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao.